Il y a un fail, hein. D'accord. Là, pourquoi dans ton truc. Oh merde. Féro singe, Pokémon fou. Salut à tous. C'est un peu bizarre. Bah du coup, la vidéo, ça va ? Un peu bizarre. Non, Pokémon. On va vous, en fait, on va faire un nouveau concept où on va vous montrer nos cartes Pokémon. Et plus tard, ouverture de booster. Je sais pas qui sortira en propre, c'est les ouvertures ou la collection, je sais pas. C'est un peu con si on ouvre et qu'on fait la collection avant. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce que tu viens de dire, oui, c'est un peu con. C'est surtout que c'est ce qu'on est en train de faire là. Oui, tout à fait. On va ouvrir après. Bah bref. Qui commence ? Bah, je m'en fous. Patate a sa collection, j'ai la mienne. Oh, on n'a pas des cartes de. Enfin. Patate en a une que je sais bien lui voler. Qui commence ? Putain, mais celle-là en dernier. Donc, bah voilà, on va présenter les petites cartes. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. Pas... Bah, enfin, j'ai beaucoup de cartes, mais j'ai pas beaucoup de cartes rares et que j'aime bien. Putain, celle-là. On va commencer par une carte, moi, que j'aime bien. C'est un Pokémon de première génération. Donc voilà. Un petit méga Alakazam. Putain, elle est trop belle. Hein. Donc, est-ce que c'est une carte rare? Je ne sais pas. Je pense peut-être un petit peu, mais voilà. Bon, après, la carte n'a rien de spécial, mais elle est belle. Il analyse toutes les cartes. Bah oui, elle est belle, elle est ouf. Après, je sais pas le prix, hein. Sur internet, je sais pas. Il y a quand même 210 PV. Hein. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Bon, alors, par contre, attaque Force Zen 10+, là. Pouf. Celle-là, elle est magnifique. Après, la prochaine. Un petit Amphinobi Turbo. Putain. Alors que je comprends pas le principe de ces cartes, en fait. Bah, je sais pas, mais j'aime bien, ouais. J'aime bien la gueule qu'elle a. Shuriken Géant. Bon, je la trouve belle aussi. Hein. Non, franchement, elle est belle. J'aime bien. Déjà, il y a pas mal des cartes comme ça qui. Là, on arrive sur les deux que je préfère. La dernière, elle est. Officiel. Un petit Léviateur. Un méga Léviateur. Et en plus, Shiny, il est rouge. EX. Geyser Explosion. Je sais pas, il doit être quand même rare, lui. Hein. Je pense que c'est ma dernière carte. Parce qu'il y a les Shiny. Hein. Ouais, c'est ça. Donc après. Donc là, elle est belle. Hein. Celle-ci... T'as quand même eu de la chatte. Hein. Ouais, j'avoue que j'ai. Parce que toi, t'as pas acheté énormément de boosters. Non, mais j'ai eu des beaux trucs. C'est incroyable. Là, celle-ci, ouais, elle est quand même... Je vous la zoome un peu pour que vous voyez quand même. La beauté de la carte. Oh, ça fait des couleurs sur l'écran à chatounette. Et là, la dernière, bon bah celle-ci, voilà, c'est bon. C'est celle que je vais voler. Hein. Si jamais tu meurs, admettons t'as un accident, est-ce que tu me la lègues? Non. D'accord, ok, enfoiré. Je la lègue à mes filles pour qu'ils puissent la vendre pour avoir un avis. Ah, même pas à moi. Non. Bah tu me lègues avec quoi, toi? Rien. Ok. Allez, monte. Allez, voilà. Oh là là, c'est une beauté. Hein. Et en plus, je crois que c'est une secret. Parce que regarde, il y a marqué 150 sur 147 cartes. Donc en fait, c'est des secrets. Non, les autres, j'ai regardé, c'est pas. Mais putain, elle est magnifique. En plus, je sais que les Dracaufeu en général. Moi, là, je vous la montre en. Elle est belle. Hein. Mais en plus, les Dracaufeu, je sais qu'ils ont. Elle est belle. La code, si je peux dire. Non, franchement, elle est magnifique. Celle-là, quand je l'ai eue, j'ai. J'ai pas explosé comme certains sur YouTube en mode. Ah bah, et puis tu sais pas forcément si. Genre là tout à l'heure on va faire des ouvertures de booster, on sait même pas quelles sont les rares. Ouais, c'est ça. Bon après non, c'est des cartes que t'as, c'est des classiques, hein, on va dire. Oui. Je vais essayer de vous retrouver. Montre-les quand même la caméra vite fait, quoi, histoire de. Attendez, je pousse mon Dracaufeu, je vous laisse le revoir une petite dernière. Faut l'emballer. Je vais te donner une petite pochette pour le mettre dedans. Bon après voilà, j'ai pas des trucs oufissimes, hein, c'est des cartes. Ah, rangé par type? Non. Ok. Bah, pour l'instant. Non, un petit peu, mais pas. Un petit peu, le mec, il a tout rangé. Non, je te jure, même pas, tu vois. Bah. C'est bah rangé. Non, tu vois que ça va être mélangé après. Bon, après, ouais, c'est classique, quoi. Je suis pas très bien cadré. Excusez-moi pour le cadrage, je suis pas très bien. Ah, elle est belle, Jirachi, ouais. Jirachi est pas mal. Puis c'est un légendaire. Toi, c'est pas trié. Un de mes Pokémon préférés. Ah bon? Malos. Ah, oh, j'adore. Ah, oh, pas bien, toi. J'adore. Bon, les cartes McQueen. Là. Avec Tech, pas mal. Aussi. Après, il y a le design qui est stylé, je trouve, ouais. Sur les cartes. Un petit Léviateur encore. Puis il brille. Ouais, 160 d'attaque. Prends ça dans la gueule. Sablero d'Alola. Ouais. Prends ça dans la gueule pendant que tu joues. Ouais, après, ça reste des classiques. Hein. Ça reste des classiques. Le low class que j'aime bien, moi, c'est un beau Pokémon, je trouve, low class. Belle collection, patate. Bon, les énergies, c'est pété.
Bon, il y en a pas mal, hein. Regardez, un petit Suicune. Celui-là, il fait plaisir. Oh ouais, putain. Celui-là, sympa. Il fait plaisir. Mais je comprends pas que les légendaires, ils soient pas rares, en fait. C'est, la plupart, c'est les Dracaufeu. Bon, les Dracaufeu, c'est... Vous pouvez voir, hein, j'ai des cartes en double. Peut-être que je donnerai à Logan, peut-être, s'il est gentil. Bon. T'es gentil. Moi, je veux juste ton Dracaufeu. Non, bah non, je dépends. Je monte la mienne ou tu continues la tienne? Oh, attends, je vais continuer. Il y en a pour deux jours, hein. La vidéo risque d'être très longue, hein. Non, bah là, c'est des cartes... Non, je fais du cut. Rafflesia. Je ne sais même pas si j'ai mon Pokémon préféré en carte. C'est quoi ton Pokémon préf? Je le dirai pas, je le dirai pas sans, tant que je ne le... Si je le trouve... Moi, tu sais c'est quoi mon Pokémon préf? Non. Bah voilà, je te le dirai pas. Mais tu l'as, je l'ai vu passer en carte. Ah bon? Si ça peut, te, si ça peut t'aider. Pas comme si je viens d'en passer 2000. Ouais, c'est Dracaufeu, quoi. Non. J'aurais peut-être dû les mettre dans le bon sens. T'es un peu chiant, hein. Allez, voilà. Non, mais ce qui est bien dans les cartes, c'est... Est-ce que toi, t'avais pas des cartes en 98 quand c'est sorti? Je devais en avoir, mais franchement, je sais pas où ils sont. Si j'en ai eu, je sais pas où ils sont. Peut-être chez mes parents, peut-être dans ma cave. En train de traîner, en train de prendre la poussière. Parce que celle-là, mon gars... Ouais. Comme tout en Philopi. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien en Philopi. C'est ton Pokémon préf? Non. Mais je crois pas que je l'ai en carte. Peut-être que je l'ai moi. Attends, encore tout ça? Je pense. Toi, tu vas montrer tout? Bah oui! Non, attendez, allez, on va refaire un petit tour vite fait. Et après, je vais regarder si j'ai mon. Voilà, mais là, j'ai plus grand chose de rare, il y a rien de. Je crois que c'était Sidex. Ouais, c'est ça? Lien spirituel, non, mais c'est un lien spirituel. Quoi, quoi? Pardon, oui, excusez-moi, je vous montre pas bien. On n'a pas l'habitude, on a investi. Non, investi, oui, non. Bon, enfin, voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais je ne pense pas avoir mon Pokémon préféré. Du coup, les gens attendent ton Pokémon préféré. Ah, si, je l'ai. C'est Kalinos. C'est même pas Arcanin? Non, Kalinos Arcanin. Ah ouais? Oh, c'est Kalinos. Ah ouais, je savais pas. Ah, il est beau. Et moi alors? Pikachu. Non, classique. Classique. Non, moi je suis plus classique que ça. Tu serais déçu, je pense. Lui aussi, j'aime bien. Kangourex, ça a toujours été un Pokémon que j'ai kiffé. Mm. Mais voilà. Rien de spécial. Rien de spécial. Bon, t'as quand même le Dracaufeu, hein. Oui, bon. Je peux y aller avec ma collection? Oui, bah parce que ça va prendre 3 jours aussi, alors. Non, je vais aller rapide, mais bah du coup, je vais te les montrer, ce que t'as jamais vu, toi. Oui. Donc moi, j'ai les classeurs. Alors, oh, donc, comment ils se la pètent? J'ai des classeurs, hein. 3 euros à Darty. Attends, je sais pas du tout si c'est bien cadré. Oui. Voilà, on voit les 3. Mais il faut que je monte, en fait. Ouais. Donc j'ai ça, ça... Ah non, voilà. Je sais pas si on voit le haut. Mais si. Bon, enfin bref, j'ai ça. Alors moi, c'est classé par... Prends hein. L'autre. Oui, je l'ai vu. Tu me dis mes cartes à moi, mais dis... Celle-là, elle est belle. Hein. Oui. T'en as des belles aussi. Hein. Bah oui, j'ai des belles. Au début, je les avais rangées par... Tabarpo. Par type. Bon, Tabarpo, bon, ça gâche un peu tout, je trouve. Obligé de les mettre. Sympa le Léviathan. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est pas évident pour filmer. Oh, regarde, t'as la même en grande. Ah. Celle-là, moi j'aime bien celle-là. Regarde mon petit Salamèche. Il est trop c'est mignon. Toi, Salamèche. Ouais. Ah. Moi, c'est Salamèche, toujours. Bah, du coup, il y a un fail, hein. D'accord. Là, dans ton truc. Oh merde. Féro singe, Pokémon feu. Moi j'ai jamais vu Féro singe en Pokémon feu. Oh merde, mais quel con. Putain, je les ai bien rangés. Oh là là. Ça fait un peu tâche quand même. Hein. Bah allez. Du coup, j'ai encore du feu. Je sais pas si c'est bien pour vous montrer, mais. Du feu ou de la terre? Bon, lui il est marrant, il a une tête de con, je trouve. Là, du feu ou de la terre. Après j'ai ça en électrique. Un Pokémon roche, non c'est... T'as vu ça, c'est une secrète. 242 sur 236. Ah ouais. Ah oh, c'était... Comment il s'appelait le champion lui? C'est pas Pierre. Hein. Non. Le lui, champion dans Pokémon, les premiers, c'était le champion lui de... Oui. Pardon. C'était le champion de l'arène électrique. Merci, c'est un Magnéti. Bah oui, non mais... Bon. Ah oh, je sais plus comment il s'appelle. Ouf, il est bon le... Alors elle, il paraît qu'elle est bien rare celle-là. Pikachu B-Max. Je la trouve sympa. Mmh. Bon après, bah ça... Je te confirme en voix. Hein? Je te confirme en voix.
Ça y a rien de rare. Voilà. Ah, les Pokémon qui le faire au singe, ils devraient peut-être plus être là. Eh. Oh, il est beau lui. J'aime bien. Eh. Mewtwo, attends, il est exceptionnel. Ouais, voilà. Ouais. J'essaie de bien cadrer, hein, c'est pas évident. Non, ça va, tu t'en sors. Mais je regarde en même temps, alors désolé. Salut chatounette. Désolé si... Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Excusez-nous, on a une fille à poil devant nous. C'est un peu perturbant. Alors, après. Moi, j'essaie de maintenir mon sérieux. Il y en a pas que tu trouves... Ça, c'est une des dernières, là, tu sais, les nouveaux. Là. Non, franchement, non, mais toi, t'en as des super belles, arrête. C'est... Je l'ai dit tout à l'heure, hein, t'en as des... tu parles de moi, mon Dracaufeu, mais t'en as des... Ah bah oui, mais après, je pense que la tienne est plus rare, hein, au niveau des raretés. T'as quand même une carte ou un Pokémon... Mon gars, celle-là... Hein. T'as quand même une carte ou un Pokémon dans son cul. Hein? Et tu la montres en vidéo, t'as vraiment pas de honte. On va se faire strike, où? Oh, en plus, il a le cul rouge. Comme Anaïs. Oh non. Alors après, j'ai ça. J'ai vu la carte que tu ne voulais pas qu'on voit. Celle-là. Je pense que celle-là, elle doit coter. Hein. Non mais elle est magnifique. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai deux VMAX, j'ai Pikachu et Ronflex. Après, bah hop. Celui-là, je l'ai en double. Ah. C'est un shiny. Ah. En plus. Et je pense que... Ah. Elle coûte 15 euros. Ah. Ah. Voilà, du boudin, des rillettes. Ultra Necrozma. Mon petit légendaire qui fait plaisir. Après, tac. Solgaleo, j'aime bien. Ouais. Celle-là, ouais. Mais t'as vu encore des VMAX au final, hein. Là. Le mec, il a des cartes, il s'en souvient même pas. Ah, j'ai des VMAX au final. Pas si mal que ça, hein, au final. Bon, les cartes. Voilà, c'est des cartes pétées, hein, on va pas. Bon, puis là, encore des cartes pétées au final. Ouais, j'arrive à trouver un petit classeur aussi. J'aime bien celle-là. Ouais, ça, c'est des cartes dresseurs. C'est mignonne. C'est mignonne. Voilà, donc voilà pour le premier classeur. Bon, moi, c'est celui que je veux, hein, ouais. Le Dark of. Parce qu'on oublie qu'on est filmé. Alors, après. On est qu'au premier classeur. Non, mais on disait que j'étais long. Hein. On va aller plus vite parce le que. Mec, il a un ego. Non, mais là, c'est des classiques. Ce qu'elle a fait. Je voulais juste vous montrer. Attention, tu vas casser le dégât. Juste vous montrer ses bras. Ces cartes-là, patate. Ah oui, oh, celles-là, elles sont magnifiques. C'est les toutes premières. Oh, elles sont belles. Et regarde. Première édition, mon gars. T'as à mon avis, celle-là. Bon, ça, je crois que c'est à mon frère, donc je lui ai taxé. Celle-là, j'en ai deux, mec. Deux Mewtwo. Et alors, petite anecdote. Attends, parce qu'ils voyaient pas, en fait. J'ai Mewtwo, je l'ai en deux fois. Excusez-moi. Petite anecdote. J'essaie de bien... Je l'ai gagné à la cour de récréation. Et en fait, pour gagner des cartes, on prenait... Alors, chacun misait sa carte. Donc lui, Mewtwo, et moi, sûrement une double, tu vois, je la remarque. Et en fait, il fallait... Comme d'habitude. Il fallait les retourner. Pokémon Go, je me rappelle encore. Ah, Dracolos que je t'ai volé. Yes. Yes. Enculé. Et du coup, en fait, il fallait les retourner. Et les deux étaient face visible, la tienne plus la sienne, tu gagnais les deux. Mec. Je fais ça, tac, tac, je fais... Oh, j'ai Mewtwo, mais à l'époque, c'était des cailloux. Putain, j'ai bousillé la carte Mewtwo, elle est bousillée, d'ailleurs. Je fais ça, mon frère. Je fais... Il était au bout de la cour, je fais... Virgile, je fais, j'ai Mewtwo. Et j'étais trop fier. Donc voilà. Mais c'était les premières cartes, et regarde. Oh là là, oh, il a des belles cartes, le garçon, il a des belles cartes. Et ça, alors ça, c'était avec la carte avec le Pokémon Trading Card sur Game Boy. C'est incroyable, hein. Oh, le mec, il a les légendaires, les oiseaux légendaires. Le mec, il a les oiseaux géants. Et ça, regarde, c'est les cartes promo. Alors, je sais plus d'où on avait eu ça, mais c'est les cartes promo. Ça, c'est très... Attends, ça te rappelle pas des souvenirs, ça? T'en as pas eu? Si. Bah, j'avais les trois. Bah, ouais. Faudrait que je les retrouve. T'as vu? Nostalgie, hein. Ah, ça se trouve, je les ai à la cave. Et alors, les légendaires, toujours première édition, ça, mon gars. Ça se trouve, je les ai à la cave avec mes cartes Yu-Gi-Oh. Oui, ah, j'en joue à Yu-Gi-Oh aussi. Moi aussi. Enfin, regarde, j'ai encore. Regarde le Pikachu gros, tu te rappelles? Oh là, c'est vrai qu'il a pris cher, Pikachu. Mais t'as vu maintenant comment. C'est bien, c'est que Pikachu il a fait du sport en fait. Et regarde, regarde, première édition, que des premières, même les énergies. Tu sais que ça se trouve, j'en avais aussi. Bah oui, hein. Y a moyen. Hein. Et voilà, alors tout ça c'est des premières, il me touche, des premières éditions. Olive! T'aimes ça, hein, cochon. Y'en a une qui m'a regardé en mode. Moi j'essaie d'être sérieux, de montrer... Mais moi aussi je suis sérieux. Regarde, j'ai toutes les évolutions, mec. Nos abonnés, ils aiment quand on rigole. Regarde, comme ça. J'ai toutes les évolutions. C'est vrai. D'ailleurs, notre vidéo vient de sortir, je pense qu'il doit être 10h. Petite anecdote. Le mec en plein tournage. Ah, l'évolution d'Artit, c'est pas Papillon. Hein. Enfin, t'as vu, là, c'était en mode fait sur ordinateur, celle-là. Ouais. J'ai remis Bulles Bizarres, j'en ai plein. Et je les ai retrouvés il y a pas si longtemps.
Et j'ai eu des fausses cartes Pokémon aussi, hein, et, ah ouais. Tu voyais. Et j'ai même retrouvé une carte où il y avait marqué carte de Pierre, ou d'Antoine, ou tu sais, le prénom du gamin. C'est genre... culé qui a écrit sur la carte. Alors ça, c'est les cartes McDo, ah. Qu'il y a eu cette année. Je les ai toutes, évidemment. 50 balles, hein, évidemment. 50 balles, hein, évidemment. Évidemment. C'est lequel qu'il avait, 100 euros, quoi. Bah celle-là. Ouais. 70 euros. Oh putain, du coup tu l'as payé 70. Non, non, je l'ai paqué, comme on dit. Non, moi c'est Mac, pas paqué. Et ça, ça doit être des doux, j'en sais rien, ce qu'il y a foutu là. Hé hey, ah. Celle-là, je trouve qu'elles sont stylées. Ça m'ézenta. T'as vu l'effet que ça fait? Ça m'ézenta, la ville. Ouais. Zamasenta. Parce que pareil. Donc voilà pour moi. C'est son frère. Mais bah, mes cartes préférées. Frère, mes cartes préférées, ça reste celle-là. Ouais. Hein. Ah oui. Donc voilà pour moi. Voilà pour mes cartes. Non, et puis voilà, après on a des gros machins. Bon, après cartes. Il y a plein de cartes là-dedans, mais c'est les communes, on va dire. Ouais. Je pense que les meilleures cartes, c'est quand même les premières éditions, c'est oui. Les plus rares. Ouais. Mais ça, moi j'en ai eu un paquet. Hein. Ouais. Les boîtes là, les deux boîtes, ouais. C'était rempli de cartes Pokémon. Ah, je crois que je les recherche. Et je pense que j'en ai chippé à mon frère, du coup. Mais je pense que je te dis, je pense que je retrouverais plus facilement les Yu-Gi-Oh! Que son... les. Ah, Yu-Gi-Oh! J'avais, mais pas des rares, moi. C'était Yu-Gi-Oh! J'ai commencé à GX alors, tu sais. Qu'on m'en avait offert une, Clément, petit clin d'œil. Oh! Qui coûte 1500 euros vraiment maintenant? Non, pas 1500, mais c'était une carte qui avait un pouvoir très spécial et en plus, elle était. Clément l'avait filmée. Donc la carte, elle est dans un état, mais. Ah ouais. Que moi, tu vois, les cartes là, dans le garage, humidité, carte, tout ça. C'était une carte dès que tu. Bon, on va pas se lancer dans Yu-Gi-Oh! Oui, on va pas. Mais c'était une carte en soi, dès que tu mettais la carte et dès que tu mettais une carte de type Amazon, les Amazon en Amazonie. Oui, alors. Tu gagnais bah, des points de vie et des points d'attaque. Qu'est-ce qui était pas mal dans un combat. Ah, ouais. C'était plutôt pas mal. Non, ouais, mais voilà. Par contre, moi, j'ai jamais joué aux cartes Pokémon. Genre. Mais le vrai jeu Pokémon, j'ai jamais compris. Moi, oui, parce que j'avais le jeu Trading Card sur Game Boy. Donc j'y ai joué, mais jamais en vrai. Et ça, je pense que ça doit être hyper sympa. En fait, tu mets les énergies, je sais qu'il y a l'histoire d'énergie, mais... trop capté. Autant Yu-Gi-Oh, oui, ça va, j'ai... C'est vrai que c'était plus complexe, un Pokémon. Ouais, Pokémon, c'était complexe. Ouais, après, voilà, c'est toute notre enfance. Hein. Et je viens de remarquer qu'on a encore mis Goku Chauve. Oui, c'est pas grave. La calvitie. La calvitie. Non, on va pas vous relancer là. Ah voilà, on va pas vous lancer là-dedans, c'est... On mettra le lien de la vidéo. En description. Donc voilà pour la vidéo de cartes Pokémon, on espère que ça vous a plu, ça change un peu, puis nous on est enfin, moi je reste fan de Pokémon. Hein. Oui, bah oui, bah, moi aussi. Et là je suis impatient d'ouvrir les boosters. Oui, moi aussi. On va pas se mentir. Moi aussi. Donc, la preuve qu'on est fan de Pokémon, bon bah voilà, Pokémon Snap. Wouhou. Vous avez aimé la vidéo si vous voulez, bah non, parce qu'il y aura pas d'autres cartes Pokémon hein, de production à montrer. Non, enfin, c'est vrai. Les nouvelles, mais ils les verront en vidéo, donc ça n'a plus aucun intérêt. Allez sur liker la vidéo, commenter, partager, abonnez-vous. Dites-nous si vous avez des cartes rares. Ouais, on va savoir vos cartes rares parce que là. Prenez une petite photo, vous les mettez en lien ou un truc comme ça. On peut pas sur YouTube mettre des photos. Sur Snapchat, sur Facebook. Instagram, tout ça. Hein. Oh bah là. Sur TikTok. 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 D'ailleurs, sur TikTok, j'ai un compte perso où je filme mes. Où je filme mes cartes Pokémon. Le mec, ça y est, il fait sa pub solo. Oh, donc voilà, je me lance Logan N. Voilà, voilà. Oh, le mec, il fait ça. Ça me perturbe parce que je me vois là en fait. Et qui fait sa pub perso quoi. Oh, le mec. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis j'ai un autre compte, c'est. Non, oh ah. Et comme dit alors. You bird, you YouTube. Et comme dirait l'autre, à vous les studios.